Bonjour à tous, aujourd'hui je vais déballer le Braun série 5, un rasoir électrique qui m'a été offert par le site TRND pour une enquête participative. Je vais donc le déballer avec vous. Donc il s'agit du Braun série 5, plus précisément la référence 5020S. Donc, bien évidemment, nous avons le mode d'emploi, du polystyrène, une housse de transport, une tête en plastique, le rasoir ici. Donc, je le découvre avec vous. Esthétiquement, il est plutôt pas mal. Made in Germany, le système de chargement qui se trouve dessous, en façade un bouton marche arrêt et le bouton qui doit permettre de verrouiller la tête en haut. Donc les voilà, le bouton marche arrêt et le bouton de verrouillage de la tête. Rien de particulier niveau fonctionnalité apparemment. Ici, on a la petite tondeuse de précision. Sinon, pas d'autres boutons de réglage particuliers. On a deux petits boutons sur les côtés de la tête qui, je présume, permettent d'éjecter la tête. Voilà, on peut démonter la tête facilement pour le nettoyage. À première vue, il n'y a pas de lieu particulier pour que les poils fraîchement tondus ou rasés puissent se retrouver coincés, donc c'est pas mal. La tête, du coup, trouve tout son intérêt puisqu'elle va se positionner ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plus? On a une petite fiole d'huile, je présume pour lubrifier le système. Une petite brosse pour nettoyer la tête et simplement l'alimentation du rasoir. Voilà, écoutez, je vais faire le test demain matin au réveil. Et puis je vous en dirai plus un peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore TRND de m'avoir permis de participer à cette enquête. Et je m'engage à donner le retour sur l'appareil le plus rapidement possible.